site embarqué ou dans le cloud. Je suis Sandrine Pata, commerciale dans l'équipe One France et je suis accompagnée de Renaud Bollard, notre expert technique à ma vente. Bonjour à tous. Donc, quand on parle de monétisation de logiciels, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? Il s'agit à la fois de protection de code et de propriété intellectuelle des logiciels, donc installés ou cloud, ou embarqués pour prévenir la copie, le piratage ou la violation des termes de licence, mais également de monétiser, valoriser les logiciels via des modèles innovants et flexibles de distribution et de gestion de licence. Dans ce webinaire, nous vous présenterons plus particulièrement notre solution appelée Sentinel LDK, et principalement à travers une démo qui vous sera jouée par Renaud. En introduction, on présentera brièvement qui est Gemalto, l'ensemble de notre portfolio de solutions de monétisation. Et nous prévoyons de finir par une session de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions via la messagerie là, de GoToMeeting pendant toute la durée de ce webinaire et nous y répondrons en fin de séance. Alors, qui est Gemalto? Nous sommes un groupe international avec un portfolio de produits et services centrés sur la sécurité digitale, fondé sur nos deux technologies de base qui sont l'authentification et la protection. Nous sommes divisés en cinq principales business units, la division Financial and Services, où nous y livrons nos cartes bancaires, mais également tous nos services autour du paiement mobile, les services d'authentification pour du e-commerce et du banking. La BU gouvernement, avec toutes nos personnalisations de documents d'identité et tous les services, les systèmes qui permettent la vérification et le contrôle de ces documents d'identité. Côté télécom et mobile, au-delà de nos fameuses cartes SIM, nous proposons des solutions tant au niveau du réseau que du mobile, donc incluant la gestion, par exemple, des credentials des opérateurs à distance. Chez Enterprise and Security, nous mettons en place des solutions avancées de sécurisation de l'identité et de protection des données. Dans le domaine de l'IoT, notre proposition de valeur est la sécurisation des appareils du réseau et des données IoT. Et enfin, software monétisation, où nous travaillons et proposons nos solutions de protection logicielle et de gestion de licence. Juste quelques chiffres pour illustrer. Gemalto. S'ils veulent s'afficher. Donc, un premier. Aujourd'hui, c'est plus de 2 milliards de personnes qui utilisent, qui ont entre nos mains une solution ou un produit Gemalto. Gemalto, c'est 14 000 employés avec un gros focus sur la recherche et l'innovation, avec plus de 3 000 ingénieurs R&D et plus de 100 brevets déposés tous les ans. Nous avons une large base client dans le monde entier avec un chiffre d'affaires d'environ 3 milliards l'année dernière. Et si on regarde un peu plus près notre activité côté software monétisation, nous sommes riches de 30 années d'expérience via les acquisitions de Cefnet, plus anciennement d'Aladin. Nous avons plus de 10 000 clients qui se répartissent dans tout type d'industrie où il y a du développement de logiciels. Et nous sommes plutôt fiers d'avoir été awardés par Frost & Sullivan comme leader du marché de la software monétisation l'année passée. Alors, que ce soit au excusez-moi. Que ce soit aux éditeurs de logiciels, aux équipementiers qui embarquent du logiciel, nous offrons des solutions de distribution de licences, de gestion des droits et de protection des logiciels qui contribuent à monétiser leur technologie et favoriser leur croissance. Et nous permettons ainsi à nos clients de maximiser la valeur de leur logiciel ou de leurs produits. Aujourd'hui, nos références sont très nombreuses, que ce soit chez les éditeurs de logiciels ou chez les équipementiers, ce qui nous permet d'enrichir constamment notre expérience et de construire notre roadmap en tenant compte des besoins du marché. Donc, quand on parle de Sentinelle, qu'est-ce que c'est? Alors, quand on parle de protection
de logiciels de gestion de distance. Quels sont exactement les enjeux auxquels vous êtes amené à faire face? IP Protection, bah, vous souhaitez vous assurer que votre code est protégé contre le reverse engineering, contre la copie ou l'altération de code. Secure Licensing, vous souhaitez que votre produit ou votre logiciel soit utilisé conformément aux droits d'utilisation. Business Model Versatility. Là, vous n'avez pas envie, par exemple, que de repackager votre solution à chaque changement de modèle ou de pricing, d'où la nécessité d'avoir une offre qui vous permette cette flexibilité. Lifecycle Management. Vous souhaitez pouvoir gérer la licence de votre produit pendant toute sa durée de vie et depuis sa distribution, son activation, son renouvellement, etc. Product Usage Insight. Vous souhaitez collecter des informations d'usage afin d'adapter le modèle de licence en conséquence. Et Customer Self-Service, vous voulez donner à vos clients la possibilité de gérer eux-mêmes leur licence. Alors, ce n'est pas une liste exhaustive. Et aujourd'hui, on reprend tous les besoins du marché et nous construisons, nous concrétisons notre produit Sentinel en répondant justement à tous ces besoins. Donc, les quatre principales fonctions auxquelles nous répondons aujourd'hui, un Sentinel License Model, le business model, nous adaptons le modèle économique aux besoins des utilisateurs, donc via justement une gestion des licences qui va du plus simple au plus sophistiqué. Licence perpétuelle, à l'abonnement, time-based, à l'utilisation, par feature, etc. Nos solutions exposent des API par une intégration de la partie serveur dans le back-end de nos clients. Et ça permet ainsi d'assurer une optimisation des flux, possibilité d'automatiser la demande de licence et de son activation, possibilité de gérer les notifications des utilisateurs, etc. En fonction du produit choisi, notre solution vient avec une base de données où sont collectées également toutes les informations d'usage, avec la possibilité d'en générer tout type de report. Donc le gros avantage ainsi, c'est que ça permet d'adapter le modèle économique en fonction de l'utilisation de vos produits. Et en plus de ces API, nos solutions proposent également un portail pour les utilisateurs et les partenaires si vous en avez. Donc, notre gamme de solutions Sentinel se décline de la façon suivante. Sentinel LDK pour License Development Kit. Donc, c'est notre solution out of the box, clé en main. Pour permettre une implémentation très facile de licence, que ce soit matériel, qu'elle soit matérielle ou logicielle. Sentinel LDK est en plus délivré avec une boîte à outils pour faciliter son intégration. Sentinel EMS pour Entitlement Management System, c'est la partie serveur web-based qui permet la gestion du cycle de vie des licences et de la définition du catalogue produit. Sentinel RMS pour Rights Management System. C'est notre SDK pour une implémentation de licences logicielles qui permet de mettre en place des modèles économiques plus sophistiqués, comme des pricing à l'usage, à la consommation. Et pour finir, Sentinel Fit, qui est notre produit spécialement conçu pour les systèmes embarqués et demandant une faible empreinte mémoire. Et bah, je vous propose maintenant d'aller un petit peu plus en détail dans notre solution LDK avec Renaud. Très bien. Merci Sandrine. Donc si on focalise un peu plus sur notre produit appelé LDK, nous allons pouvoir voir, comme le montrait Sandrine, qu'il est très orienté protection et sécurité, parce qu'il va nous permettre de descendre des termes et s'assurer que l'utilisateur final calque à ces termes sans les contraindre. Nous allons voir comment justement lier une licence à un produit et une déclinaison de fonctionnalités, tout en apportant aussi une certaine visibilité sur la consommation de ces produits, le nombre de licences générées, l'attrait pour certains modules. Faciliter la gestion de ces produits ainsi que du nombre de licences générées, de leur cycle de vie via l'interface web mentionnée par Sandrine, qui s'appelle EMS. Et enfin, dans notre offre, nous apportons aussi à nos clients toute une partie consulting et services via des conseils à l'intégration, à la prise en main de nos outils et à une implémentation la plus orientée client possible pour faciliter l'expérience utilisateur finale. Si on focalise sur le premier aspect, Security Protection.
Notre aspect sécurité a pour but principalement de protéger la propriété intellectuelle, c'est-à-dire tous les algorithmes, tout le temps, toute la plus-value de vos logiciels que vous avez, sur laquelle vous allez capitaliser et que vous voulez protéger lors de la propagation de vos logiciels sur le terrain. Pour cela, vous allez vouloir vous protéger de la copie, éviter que votre produit soit répandu sur le marché en vous assurant aussi qu'il soit protégé et que personne puisse casser le code, récupérer de l'information à l'intérieur. Pour cela, on se base sur une protection multiniveau, que ce soit sur le déplacement de l'entry point de votre programme, la protection au global de votre applicatif, de l'obfuscation de code pour certains langages, de la sécurisation de channels de communication via de la white box crypto. On a aussi moyen de pouvoir crypter certains fichiers externes à vos applicatifs, que ce soit des fichiers de config, des fichiers de properties, des fichiers de log générés. Et on a tout un tas de mécanismes qui permettent de se protéger contre du debugging pas à pas, du reverse engineering, du code tampering. En outre de ces aspects de protection, on a une brique qui permet de protéger un peu plus vos logiciels s'ils sont protégés par des clés physiques. On a un module qui s'appelle AppOnChip qui permet de déporter une partie de votre code sur la clé qui sera récupérée lors de l'exécution, déchiffrée, exécutée et la main sera rendue à votre applicatif pour continuer à son exécution. Concrètement, cela ne s'applique qu'aux clés physiques et c'est ce qui rend les clés physiques encore un peu plus sécures que les clés dématérialisées. Maintenant, sur l'aspect licensing, comme Sandrine en parlait un peu plus tôt, notre solution propose un packaging flexible de vos produits, de votre définition de catalogue produit, ce qui vous permettra de livrer un seul exécutable contenant tout un tas de modules ou au contraire d'ajuster le contenu des feature sets en fonction de la demande de vos clients. Appliquer des modèles de licensing propres à chacune des demandes de vos clients et jusqu'à la granularité de chacun des modules de vos produits. L'EMS permettra justement cette définition précise et granulaire de votre offre produit sous forme de produits dans le catalogue, de features liées à ces produits et même de product suite si besoin. Sachant que notre méthodologie qui est derrière est de ne protéger qu'une fois et de délivrer plusieurs de vos clients. Si on focalise un peu plus sur les licensing models, comme on vous l'a énoncé un peu plus tôt, on assiste à une transition chez nos clients d'une offre perpétuelle, c'est-à-dire l'achat d'une licence valide à vie, vers des offres plutôt basées sur une durée ou sur une période d'utilisation, ou sur une location, donc une souscription basée sur un trimestre mensuel ou annuel, tout en offrant certaines fonctionnalités qui sont recherchées par nos clients, c'est-à-dire au lieu d'attacher une licence à un monoposte, soit dite standalone, plus avoir une utilisation réseau, c'est-à-dire exposer un certain nombre d'autorisations au sein d'un réseau que chacun des utilisateurs finaux pourra consommer au besoin. Nous offrons aussi la possibilité de traquer le nombre d'exécutions de l'application protégée, soit sous forme de station, soit sous forme de login, donc des appels API spécifiques pour consommer une licence. On inclut aussi un module de démo, ce qui vous permettra de générer, toujours basé sur votre offre de produit unique, une version de votre produit qui sera agnostique de l'hôte qui hébergera votre applicatif et qui sera valide pour une certaine durée, qui peut aller de jusqu'à 80 jours, 90 jours maximum. Et bien sûr, nos solutions supportent les environnements virtualisés ainsi que les accès via Remote Desktop. Côté Entitlement Management, donc pour reprendre, c'est vraiment l'interface qui va vous permettre de générer votre produit et votre catalogue produit afin de générer les licences inhérentes à chacune des demandes de vos clients. Via cette interface, nous allons pouvoir définir les termes qui seront appliqués à chacune de vos licences, donc s'assurer qu'ils seront vraiment appliqués. Vous pourrez aussi gérer votre portefeuille client au sein même de cette interface. Comme ce dont parlait Sandrine, vous pourrez interfacer des CRM DB facilement
avec notre produit. Vous allez pouvoir gérer le cycle de vie des licences générées, qu'elles soient physiques ou dématérialisées. Vous allez pouvoir renouveler les périodes souscrites par vos clients une fois qu'ils arriveront proche de l'expiration. Vous pourrez aussi offrir la fonctionnalité de rehoster une licence. Ça s'applique principalement aux clés dématérialisées, le fait de pouvoir détacher une licence d'un hébergeur pour la attacher à un autre serveur, tout en offrant aussi la possibilité de notifier vos clients lorsqu'une commande est reçue, un entitlement est généré d'un VMS. Vous pouvez notifier le client avec la synthèse de ce qu'il a commandé et ce que comprend sa commande, c'est-à-dire l'offre produit, les différentes features et les termes associés à chacune de ces features. Au sein de MS, on retrouvera aussi par la suite une brique de reports qui donnera aux éditeurs de logiciels la visibilité vraiment sur les produits les plus consommés ou les plus demandés par vos clients, les fonctionnalités les plus autorisées au sein de ces produits les plus consommés, ainsi que offrir la possibilité aux éditeurs de logiciels de voir s'il y a des campagnes de marketing à faire sur certaines features qui seraient moins utilisées ou au contraire ajuster des tailles d'équipe de développement pour développer certaines features. Notre outil EMS est vraiment ce qu'on considère ouvert puisqu'il expose tout un set d'API web services qui sont intégrables via des connecteurs auprès des ERP que vous auriez en interne dans votre société, aussi bien, comme j'en parlais un peu plus tôt, de CRMDB pour populer une base de clients et ajuster une consolidation d'offres produits que vous auriez déjà en interne et pouvoir le retranscrire plus facilement au sein de MS. Vous pouvez définir différents rôles au sein de MS pour donner différents droits selon les équipes produits qui seront capables d'interagir sur le cycle de génération des licences. Vous pourrez définir un rôle de product manager qui sera en charge de toute la définition de l'offre produit et plus un rôle d'opération qui sera en charge de générer des licences pour ces produits. Et bien sûr, un rôle d'administrateur qui sera capable d'avoir la visibilité complète. Au sein de MS, nous offrons aussi un portail client, ce qui permet, si toute l'automation s'avérait coûteuse, pour nos éditeurs de logiciels, de pouvoir exposer une interface qui va permettre de rendre plus autonome le client dans, la récupération de sa licence. Cela a pour but justement de limiter les coûts d'intégration de nos solutions, de faciliter l'enregistrement des clients qui seraient amenés à récupérer la licence et l'activer, donc la population de votre base client. Notre portail client est tout ouvert puisque à partir du moment où vous souscrivez à notre offre, nous vous offrons le code source qui va vous permettre d'ajuster la charte graphique, les logos à votre effigie et faciliter aussi son intégration au sein de tous les systèmes de back-office que vous auriez, encore une fois, via l'utilisation de web services qui permettra d'automatiser toutes les séquences, tous les flux de transactions liés à la génération d'une licence pour vos clients. Vraiment, le point important est que tout ce qui est visible dans le MS, aussi bien les menus, les boutons, les champs, vient être atteignable via, par appel web service. Et bien sûr, nous en parlerons sans doute à la fin, à partir de la toute dernière version, la 7.7. Nous avons aussi introduit la gestion des channels partners. Si vous passez par des revendeurs ou des distributeurs, vous pourrez intégrer cette gestion au sein de l'EMS. Sur la méthodologie de LDK et plus particulièrement de nos produits Sentinel, vraiment le mojo est de simplifier les choses au possible en ne protégeant qu'une seule fois votre applicatif en sortie de votre R&D. Et d'être capable de le livrer autant de fois que possible sur toutes les déclinaisons possibles et de pouvoir l'ajuster le plus facilement possible en se basant sur les métriques récupérées par le reporting, la visibilité de ce qui est consommé au sein de MS. Si concrètement on parle du produit LDK lui-même, qu'est-ce qu'il contient? On va retrouver la partie enveloppe qui est liée à tout ce qui est IP protection dont je parlais au début, qui va vous permettre de générer une coquille de protection autour de votre exécutable. Un set de librairies propres LDK qui vont être en plus générées et mobinées avec
un vendor ID unique qui rendra vos licences propriétaires uniquement à votre société. Personne qui aurait un LDK sur le marché pourrait générer des licences en votre nom pour vos produits. Le fameux IMS serveur, donc l'interface web, qui permet d'administrer et de traquer tout l'historique de ce qui aurait été généré comme licence sur vos produits pour quel client. Sa base de données qui permet de stocker tout ceci. Et aussi une toolbox qui va permettre d'exposer toutes les API produits que nous livrons dans les librairies et de les tester dynamiquement pour vous assurer de la séquence logique des flux d'actions intégrés à votre applicatif. Tout cet écosystème va enfin donc pouvoir vous octroyer le droit de générer des licences sur des clés physiques aussi bien que sur des clés logicielles. Si on regarde les dernières versions depuis que nous avons fait le dernier webinaire en France, il est sorti trois versions du moins. Deux depuis le dernier webinaire et une toute récente qui date de la semaine dernière. Donc depuis la 7.5, nous avons amélioré nos capacités de support sur Android et Linux. Nous avons aussi amélioré ou livré un nouveau template de protection pour le cloning sur des environnements virtuels qui nous était très demandé, avec la fonctionnalité de pouvoir lier le Generation ID de la VM à l'empreinte qui est récupérée pour l'octroi de la licence. Nous avons aussi amélioré le mécanisme qui permet de chiffrer une donnée externe à votre application protégée, sans lier au global à l'application protégée, mais plus avec le lien appliqué sur les feature ID, donc au sein même du produit. Depuis la version 7.6, nous supportons maintenant les applicatifs compilés Windows en 64 bits, pas seulement le 32 bits. Nous avons livré un plugin pour Envelope pour supporter les applications LabVIEW développées fournies par National Instruments. Nous avons aussi étendu notre support à des OS Linux ARM. Et enfin, tout dernièrement, comme je vous parlais un peu plus tôt, depuis le 7.7, nous avons fourni une méthode pour exposer à vos partenaires une visibilité d'EMS et de pouvoir les laisser gérer les activations de leur licence que vous les auriez autorisées à consommer. Et bien sûr, l'évolution technique faisant, nous avons aussi intégré dans le LDK 7.7 un template de protection pour les infrastructures Azure, parce que de plus en plus de nos clients souhaitent partir sur des cloud providers. Tout cela décrit, nous allons passer à présent à la démo. Hop. Donc, comme je vous l'ai indiqué dans ma présentation, hop, je vais mettre en plein écran. Une fois installé, votre LDK Vendor Suite se visualisera sous la forme de ce petit logo sur votre bureau. Si je l'exécute, je vais retrouver chacune des briques logicielles mentionnées dans ma présentation. La toolbox, l'EMS, l'enveloppe, des utilitaires additionnels et une documentation inhérente à nos produits. On va commencer par Envelope, donc notre outil de protection de logiciels, qui va vous permettre très facilement d'importer un applicatif, par exemple dans mon cas un .NET. Si je l'édite, je vais trouver en première information mon fichier source, où le fichier protégé, une fois que j'aurai spécifié tous les paramètres, va être généré. La possibilité d'appliquer des restrictions directement lors de la protection via enveloppe, à savoir si je vais mettre une protection donc locale, standalone, attachée au serveur qui va héberger l'application, ou au contraire exposée sur le réseau. Nous verrons que cette restriction peut être appliquée donc dans enveloppe ou par la suite dans EMS lors de la création du produit ou de la génération de la licence. Champ important, on associe forcément un feature ID à l'application à protéger. Et ensuite, on va retrouver différentes tables de protection qui vont vous permettre, pour certaines méthodes, notamment en .NET, de les sélectionner et de pouvoir soit offusquer le code correspondant, soit l'encrypter. Différentes options qui sont disponible selon les langages des applicatifs à protéger. Nous verrons par la suite que même pour un applicatif Java, nous pourrons voir le contenu. Par contre, pour des applicatifs compilés,
nous ne pourrons pas avoir la même granularité. Différents onglets de vérification de licence, savoir tous les combien nous allons vérifier la présence d'une licence pour autoriser le Feature ID correspondant. Des modules avancés qui vont nous permettre de spécifier quel est le type de licence qui sera reconnu et trustable lors de l'exécution de l'applicatif. Encore une fois, ce champ-là est définissable aussi bien via enveloppe que par la suite dans la définition du catalogue produit où nous pourrons restreindre. Soit nous allons faire des protections physiques, soit nous allons faire des protections logicielles. Dans notre cas ici, HL pour Hardlock, donc protection physique dongle USB, et SL Admin Mode ou User Mode, protection dématérialisée à appliquer sur le système moyennant la récupération d'un fingerprint. Si j'ajoute d'autres applicatifs pour vous montrer la visibilité qu'on peut avoir au sein d'enveloppe, sur un applicatif Java, je vais pouvoir avoir la même granularité de contenu des applicatifs, des méthodes exposées. Et par contre, je ne peux faire que de l'obfuscation, soit de code, soit de symbole. Plus d'encryption comme elle était disponible pour des applicatifs .NET. Pareil, je tag un feature ID et je peux ajuster les différentes restrictions à implémenter directement au sein d'enveloppe. Si je charge un fichier que j'ai déjà pré-créé pour les besoins de la démo, j'ai donc défini ici tous mes applicatifs, tagués par différents feature ID. 1, 21, hop, une erreur, 22 et 23. Une fois que je me suis assuré que j'ai appliqué toutes les protections que je voulais sur chacun de mes applicatifs, je n'ai qu'à venir ici et cliquer sur Protect All. Et directement, Envelope va générer une copie de mes applicatifs dans le folder de destination que j'ai spécifié. Si je vérifie, j'ouvre sur mon bureau dans Protected Demo Apps. Je cherche à exécuter l'applicatif .NET que j'ai pris en premier. J'ai un prompt qui me dit que cet applicatif a été protégé par une de nos solutions. Et derrière, il cherche localement ou sur le réseau une autorisation correspondante à la feature ID 20. Il n'en trouve pas, donc j'ai un message d'erreur qui m'est prompté. Vous vous souvenez la logique Protect Once, Deliver Many, Evolve Often? Concrètement, une fois que j'ai fait ce travail-là, je n'ai plus à revenir au sein d'enveloppe pour générer mes licences. Je vais donc m'orienter vers EMS, que je vais ouvrir via Chrome. EMS étant donc l'interface d'administration de tout mon catalogue produit et de mes licences, on va retrouver une déclinaison logique et assez parlante pour nos clients de interface client, c'est-à-dire enregistrement de tous les clients de la société qui vont pouvoir être autorisés à utiliser une licence une fois qu'on l'aura générée. Mais surtout, en premier lieu, la partie catalogue dans lequel je vais venir créer mes features qui vont composer mon offre produit. Logique toute simple. Comment se définit une feature au sein de MS? On lui donne un nom, un identifiant, on vérifie que l'identifiant est disponible et on peut sauvegarder la feature. Pour les besoins de mon produit, j'ai mappé, et pour les besoins de ma démo, j'ai mappé directement mes applicatifs. Donc on va retrouver le .NET Bounce avec le feature ID 20 protégé par enveloppe, l'applicatif Java 21, TextViewer 22 et WinBounce 64 en 23. Une fois mes features définies, aussi simplement que ça, je vais dans mon offre produit et là également j'ai défini un produit MySoft. Donc si je vous montre le pas à pas de la définition d'un produit, je lui donne un nom, je vérifie la disponibilité vu que c'était une clé unique en base, le product ID associé à la définition de mon produit. Et directement ici, je vais pouvoir définir si la protection à appliquer va être physique ou logicielle, uniquement logicielle ou uniquement physique. On va retrouver le champ de clone protection qui va nous permettre de demander des informations spécifiques à l'hébergeur de la licence a posteriori, les fameux templates dont je vous parlais. Donc pour les machines physiques, le premier template se base sur l'ID du disque dur et le part number de la motherboard. Pour les environnements virtuels, pareil, sachant que les informations virtuelles
peuvent être émulés. Nous avons aussi défini le fameux template dont je vous parlais pour lier le Generation ID à l'empreinte client récupérée par nos clients qui voudraient appliquer une licence sur un environnement virtualisé. Différentes options pour nos clés ancienne génération, le fait de pouvoir les upgrader en dernière génération qui est driverless, le fait d'utiliser une virtual clock pour empêcher le fait d'altérer le timing système pour maintenir la validité d'une licence qui aurait été appliquée, la fonctionnalité de rehost, donc détacher une licence d'une station pour l'appliquer sur une autre, savoir si vous voulez l'autoriser à vos clients ou au contraire la désactiver directement sur votre offre produit. Nous pouvons aussi le spécifier au moment de la demande de licence. Et comme une commande sur Internet, vous accédez aux features que vous auriez définies, vous les sélectionnez et les ajoutez aux listes des features à couvrir par votre offre produit. Une fois rajouté, vous pouvez sélectionner tout ou partie de vos features et les configurer en appliquant des termes de licence différents ou identiques, comme le fameux execution count, comme je vous en parlais, qui va compter le nombre de fois l'applicatif est accédé et décrémenter un compteur. Une date d'expiration, donc valide jusqu'à une certaine date définie, en mode perpétuel, nous continuons de l'offrir. Time période, autorisée pendant X jours l'utilisation de l'applicatif, ou au contraire, garder la définition de ces termes de licence au moment de la génération de la licence elle-même. Donc, je reviens à mon offre produit ici MySoft qui couvre bien mes quatre features et volontairement, j'ai gardé la possibilité de ne générer les termes de licence qu'au moment de les termes commerciaux qu'au moment de la génération de la licence. Une fois mon offre produit générée, je n'ai plus qu'à aller sur Entitlement. Entitlement à comprendre en français comme une nouvelle commande d'un de vos clients pour utiliser votre logiciel et dire je vais générer une nouvelle demande d'autorisation. Je viens renseigner ici dans le champ client à qui je vais générer cette licence. À partir de quand je veux la rendre disponible. Si au cas où vous devez envoyer une clé USB par la suite, vous pouvez définir à partir de quand elle sera activable et utilisable. Le type de clé que vous allez associer à cette licence, est-ce que ça va être une clé physique, une clé logicielle ou au contraire une mise à jour d'une clé qui aurait déjà été générée? Combien de clés à générer? Vous pouvez justement dire derrière cette demande d'autorisation pour une compagnie, je vais pouvoir l'exécuter X fois. Donc dans mon cas, je vais demander à graver qu'une seule clé. Et également, une fois que comme mon offre produit a été définie, je viens sélectionner dans mon catalogue le produit à licencier. Et vous voyez que je retrouve la même liste avec les termes de licence à appliquer. Donc volontairement, je vais faire 2 et 2. Hop, on va se baser jusqu'à une expiration date pour les deux premiers. On va mettre à la fin du mois. Compatible remote desktop et environnement virtuel. Je sauvegarde. Derrière, je prends les deux autres features. Je les configure jusqu'à 10 jours. Je sauvegarde et là, je vois que tous mes features sont passés en vert. Donc, je vais pouvoir produire ma licence. Je clique sur Produce. Je vais avoir une fenêtre qui s'ouvre en me disant, OK, je suis prêt à générer cette licence et à graver la clé correspondante. Donc je plug ma clé USB sur mon système. Je rafraîchis la liste. Et là, on voit que la clé que j'ai pluguée à ma VM est une Sentinel HL Drive micro SD. Et elle a un statut prête à être gravée. Je n'ai plus qu'à la cocher, cliquer sur graver. Et là, le message de retour me dit que la licence a été gravée avec succès sur ma clé. Je peux fermer mon applicatif. Moyennant
un runtime environment de notre solution où vous pouvez avoir accès localement aux informations des clés qui sont attachées à votre système. Donc, admettons, j'ai gravé ma clé en tant que software vendor, je l'envoie à mon client la branche sur sur sa station, et à partir de là, il peut ouvrir cette page qui est exposée par notre runtime environment exécution, qui permet de offrir la visibilité localement ou sur le réseau des licences qui seraient détectées. Donc, on va retrouver dans le menu Sentinel Keys, on va retrouver ma clé Sentinel HL Drive Micro SD avec mon vendor code Demoma, qui est un code de démo uniquement, qui n'est pas un code client, sur lequel il va retrouver la liste des produits autorisés, donc MySoft en l'occurrence, et la liste des features qui lui sont associées. Donc, on va retrouver pour les deux premières features une période de validité de 10 jours, là où pour les deux autres, on va retrouver une date d'expiration à la fin du mois. Pas plus compliqué que ça, mon utilisateur a reçu sa clé, il la branche et directement, il peut utiliser l'applicatif en fonction. Donc si je reviens à mon dossier d'applicatif protégé, je vais à nouveau essayer d'exécuter le .NET 1x64. J'ai toujours le prompt. Il va vérifier localement qu'une licence est attachée à ma station et enfin l'applicatif peut être exécuté. Si on regarde au sein de l'Admin Control Center, on peut voir que sur le .NET Bounce, j'ai un login d'effectué sur la feature et donc des sessions consommées dessus. À partir du moment où je ferme l'applicatif, le login disparaît. Donc ça, c'était essentiellement pour vous montrer que facilement, on peut décliner notre offre avec des features taguées par un feature ID, associer ces features à un produit et générer une autorisation à descendre sur une clé physique assez facilement et assez rapidement. Donc maintenant, je vais débrancher ma clé USB pour vous montrer comment générer une clé logicielle basée sur cette même offre produit, mais tout d'abord en passant par un mode de démo. Donc là, j'ai de la visibilité de mon PC client où je n'ai plus de clé associée. On est comme s'il n'avait rien attaché. Je reviens sur mon EMS et directement dans mon offre produit. Ici, hop, rafraîchi. Je vois que j'ai décliné une offre de démo, MySoft Trial, qui contient toujours mes quatre features trustées, tous avec une time période qui va être définie à 30 jours. À partir du moment où j'ai défini cette offre de démo, cela va me permettre de livrer mon applicatif à mes clients et leur donner en parallèle un RTE sous forme d'un exécutable ou d'un fichier de licence qui va permettre d'autoriser l'applicatif sans avoir à récupérer d'empreinte client. Donc pour ce faire, je vais dans le développeur, ici Bundle Unlock Product, donc générer une autorisation spécifique pour un produit démo sous mon code Demoma, qui n'est pas un code client. J'ajoute mon produit MySoft Trial. OK. Et à partir de ce moment-là, je vais pouvoir produire un exécutable qui va mettre tout l'environnement et les autorisations correspondantes avec en appliquant la validité qui ne sera définie donc que de 30 jours. Si j'exécute mon applicatif, j'applique la mise à jour. Et là, il me dit que la mise à jour a bien été écrite. Je retourne donc sur ma visibilité client. Et là, je vois que j'ai bien un mode toujours une licence associée à mon code Demoma, une licence SL, donc dématérialisée, qui contient toujours mon produit MySoft et des features, donc mes quatre features, avec une période d'évaluation de 30 jours disponible. Donc là, à aucun moment, je n'ai récupéré une empreinte de ma VM pour la fournir à l'éditeur de logiciel pour qu'il me renvoie la licence correspondante. Si j'essaie maintenant de partir du principe que le client a évalué mon produit et il souhaite la faire
avancer sous une forme de licence avec des termes contractuels attachés. Je retourne dans ma partie entitlement. Je génère un nouvel entitlement. Je reprends un client. Et là, au lieu de lui dire je vais générer une hardware key, je vais générer une product key. Donc pareil, on offre aussi la possibilité de générer une seule product key qui pourra correspondre à X activations. Certains de nos clients préfèrent en avoir à gérer qu'une information qui sera consommable par différents utilisateurs finaux chez eux, là où d'autres préfèrent avoir une autorisation, une product key par un utilisateur final. Donc dans mon cas, je n'ai besoin que d'une product key et de l'activer qu'une seule fois. Vous pouvez forcer vos clients à s'enregistrer au sein de votre customer portal pour populer votre base client avant de consommer la licence. Donc là, dans mon cas, je n'en ai pas besoin. Pareil, je sélectionne mon offre produit, je l'ajoute à mon entitlement. Je vais pouvoir définir des termes différents par feature. Donc là, un certain nombre d'exécutions, on va dire 10, et sauvegarder. Et décliner pour deux autres, on va mettre en offre perpétuelle pour les deux autres. Voilà. Hop. Je vois qu'ils sont valides. J'ai aussi accès à des tailles mémoire que j'ai définies au préalable dans mon offre produit. Donc une zone read-write area ainsi qu'une zone read-only area que j'ai initialisé volontairement avec RO area et RW area pour les besoins de test plus tard sur la toolbox. Je sauvegarde. Une fois que tout est défini, je n'ai plus qu'à produire l'entitlement, donc générer la product key correspondante à mon entitlement. J'ai un message comme quoi la product key a été générée, je la télécharge et on peut retrouver le format type clé Windows qui va être fourni à mon client. Je vous parlais des notifications automatiques. Concrètement, si vous interfacez un serveur mail à votre OMS, vous pouvez dynamiquement notifier votre client, donc en l'occurrence John Smith dans mon cas, à recevoir la synthèse, donc la product key par email avec les produits et les features concernés. À partir de ce moment-là, on a plusieurs moyens d'activer cette licence sur le poste client. Soit en tant que fournisseur de logiciels, vous attendez qu'il vous envoie son empreinte client et vous générez la licence vous-même. Soit on offre aussi la possibilité de gérer ça de manière totalement autonome de la part de votre client, comme je vous parlais dans ma présentation, car ici, au sein de MS, nous exposons la web app Customer Portal. Si votre client clique sur accède à cette interface, vous voyez qu'il ne peut y accéder que moyennant l'information d'une product key. Je lui colle. Et là, votre client peut s'authentifier et directement voir la synthèse de qui il est, son entitlement, quel produit a été autorisé, qui comprend quelle feature et quels sont les termes associés à chacune de ces features. Il a le moyen de faire une activation online qui va dynamiquement récupérer le fingerprint, le fournir à EMS. EMS va attacher dans la base les données d'empreinte à l'entitlement et fournir la licence correspondante. Ou au contraire, de déclencher une activation dite offline, où le client de lui-même devra fournir un CDV, donc une empreinte, Customer to Vendor, en argument afin de générer le V2C, Vendor to Customer, en correspondance. Donc vous voyez qu'il est relativement autonome de pouvoir importer son empreinte. Directement, le Customer Portal va parler à EMS. EMS va associer les deux informations, entitlement, fingerprint, et redonner en retour le V2C, donc le fichier de licence lui-même, disponible via l'interface. Si je vous le montre depuis la partie software vendor, donc vous en tant qu'éditeur de logiciel ou fournisseur de hard, je retourne sur mon entitlement, j'ai la possibilité de faire activate ici de mon entitlement. Et je vais retrouver exactement le même screen. Mais donc depuis le fournisseur de logiciel. On part du principe que votre client final vous a fourni votre empreinte. On n'a plus qu'à aller chercher l'empreinte correspondante que j'ai anticipée pour ma VM. J'ouvre et je demande à générer la licence correspondante.
EMS Process, et ici je vois que je peux télécharger le fichier d'autorisation correspondante, V2C, encore une fois pour Vendor to Customer. Je télécharge le V2C, je l'envoie par email à mon client. Mon client arrive ensuite sur son poste. Soit il a la possibilité d'importer au sein de l'Admin Control Center ici, dans le menu Update Attach, le fichier correspondant. Soit vous avez au préalablement intégré les API correspondants au sein de votre logiciel via un menu en disant mettre à jour via une licence qui va faire l'appel correspondant identique à celui que va faire l'Admin Control Center. Si je l'applique, je vais chercher mon V2C d'autorisation, je l'ouvre et j'applique le fichier correspondant. Concrètement, l'Admin Control Center a identifié que l'empreinte qui avait permis la génération de la licence correspond bien aux caractéristiques physiques exposées par un MABM. Et donc, la licence est appliquée avec succès. Je retourne vers mes license keys et là, je vois que j'ai bien mes produits, mon set de features avec différents termes de licence associés. Vous voyez, en quelques actions, aussi bien depuis la partie fournisseur de logiciels que depuis un PC utilisateur, on peut arriver à récupérer et appliquer une licence assez facilement. Malgré tout, certains de nos clients nous demandent d'automatiser un maximum de choses pour que l'expérience utilisateur soit la plus transparente et la plus intégrée possible. Donc c'est pour cela que nous exposons des API directement intégrés dans votre logiciel qui vont vous permettre de faire cela de manière plus automatisée. Si maintenant je m'authentifie sur, si maintenant j'ouvre la toolbox qui est fournie dans mon vendor suite, je vais retrouver ici toutes les méthodes qui vont me permettre de vérifier la présence d'une licence, encrypter ou décrypter des informations, lire des segments mémoire, comme ceux dont je vous ai parlé un peu plus tôt, ou au contraire écrire dans certaines, récupérer le timing exact, et savoir et pouvoir identifier avant de consommer une licence, quelles sont les licences disponibles localement ou sur le réseau, ou alors une fois avoir consommé une licence, récupérer de l'information associée à cette licence. La première des API qui est exposée est le login. Donc concrètement, une fois qu'une licence est exposée sur le réseau ou sur la machine hébergeant l'applicatif protégé, la recherche d'une licence se fait via une méthode de login. Concrètement, elle se génère en donnant en argument le feature ID correspondant à celui qui aurait été utilisé dans l'enveloppe ou intégré directement dans votre code, et le vendor code unique, donc dans mon cas celui de démo, dans le cas de nos clients, un vendor code unique qui rendra propriétaire toutes les licences qui seront générées en leur nom. Et la grosse plus-value de notre toolbox est que on génère directement le code à associer correspondant et à intégrer dans votre applicatif. Donc la toolbox vient directement avec des exemples en C, C Sharp, C++, Java et VB.NET, qui permet, par exemple, si vous sélectionnez du C Sharp, de retrouver le même login avec le feature ID 20, avec le batch code Demoma et le code directement à copier-coller au sein de votre applicatif pour exécuter l'action. Deuxième volet intéressant de la toolbox, c'est qu'on peut exécuter les commandes directement pour s'assurer des codes retour et du bon fonctionnement de la consommation de licence. Si j'exécute, j'ai le code retour à status OK, une session est ouverte et je peux directement vérifier auprès de mon Admin Control Center que j'ai bien une session d'ouverte, donc un login sur le feature ID 20. À la fin de l'utilisation d'une fonctionnalité, est à intégrer dans votre code forcément un logout, ce que j'exécute pour relâcher la session qui aurait été autorisée. Une des contraintes qui nous a été remontée sur le login, c'est que fait l'appel login, c'est qu'il va faire une recherche en local sur la machine qui exécute l'applicatif protégé. S'il ne trouve pas de licence, il va broadcaster sur le réseau pour identifier un serveur de licence réseau. Donc, nous avons développé une nouvelle fonction login qui permet d'intégrer un scope.
dans lequel on va lui définir si on va faire une recherche uniquement locale ou uniquement sur le réseau, qui ferait du broadcast aussi sur le réseau, qui gagnerait un peu de temps sans passer par la recherche locale, ou au contraire pour optimiser et faire plaisir à des managers d'IT, de cibler un nom de licence manager réseau ou au contraire son adresse IP. Auquel cas, dans mon cas, moi je suis en local, je peux directement spécifier feature ID 20, exécuter et j'ai toujours status OK et ma session de créer. Maintenant, en amont de cette consommation de licence, on peut directement dire qu'est-ce que je veux chercher comme licence avant de m'y connecter dessus et quelles sont les informations exposées. Donc, je vais faire une recherche en local seulement et demander quelles sont toutes les clés disponibles en local. Si j'exécute le code, je vais retrouver ma version de démo et ma version permanente sur deux features ou alors basée sur un nombre d'exécutions directement disponible. Je peux ensuite consommer un login sur une des features en fonction de la clé que j'aurai targetée. Partons du principe que je me connecte à la feature ID 20 maintenant et que je cherche à lire les segments réseau de ma clé. Je vais aller cibler la méthode AspFileRead en disant je veux interroger le segment read-only parce que il contient une clé que je considère importante à vérifier en amont de l'exécution de mon applicatif. J'exécute l'appel et je vais retrouver ici le contenu de la zone mémoire que j'ai définie en amont sur mon produit. Identiquement, si je viens dans l'aspect, le segment read-write, j'exécute le code et maintenant je vois afficher read-write area. Vous pouvez donc utiliser les méthodes d'encryption et d'écryption en amont pour pouvoir chiffrer une donnée que seul votre applicatif pourra déchiffrer moyennant l'API de Decrypt et écrire par la suite dans le segment read-write un texte prédéfini. Par exemple, si j'intègre le code démo avec en démarrant à l'offset 0 sur une longueur de 48 ou même moins dans le segment de read-write, si je l'exécute, j'ai un code de retour OK. Et si je viens interroger maintenant mon segment read-write, je n'ai plus read-write area, mais j'ai bien démo d'insérer. Ça, on va dire que c'est plus pour l'aspect consommation de licence et vérification d'informations ou ajout d'informations sur ma licence. Maintenant, pour fluidifier l'expérience utilisateur, comme je vous disais, on a intégré un certain nombre d'informations qui vont permettre en amont de récupérer des informations. Par exemple, je peux aller définir via mon API GetInfo de me récupérer dès l'installation de mon soft, que ce soit en mode démo ou en perpétuel, la récupération de l'empreinte de mon client correspondante. Ici, si je l'exécute, je vais retrouver deux fingerprints, un pour les types de licence admin mode, un pour le type user mode, qui va me permettre de échanger directement cette information dans le but de produire la licence lors de la production de mon entitlement. Certains doivent s'interroger quelle est la différence entre admin mode et user mode pour des licences dématérialisées. User mode se matérialise sous la forme d'un fichier stocké sur le file system qui sera importé ou et parsé et importé par l'applicatif protégé. Admin mode est une version plus sécure qui permet de stocker l'information dans des fragments du système qui est difficilement reconstructible sans la logique propre à Sentinel. Et enfin, les deux dernières mais assez importantes méthodes exposées sont AspUpdate, qui porte quelque part mal son nom, qui est plus pour l'activation d'une licence. Concrètement, AspUpdate prend en argument un fichier, donc V2C, qui permet de dire j'ai récupéré ma licence moyennant l'échange de mon empreinte de ma machine, mon fichier V2C, j'appelle la fonction AspUpdate, je le donne en argument, je peux l'exécuter pour appliquer la licence. Et enfin, AsTransfer qui permet de détacher une licence d'une station A et
de la faire porter sur une station B, moyennant en amont la récupération du fingerprint de la station B. Si je vous montre en quelques pas comment faire procéder à ce rehost, je vais juste récupérer l'utilitaire qu'on intègre au sein de notre applicatif, aussi bien pour récupérer l'empreinte client que pour transférer une licence ou appliquer une licence. Ici, admettons que je suis sur ma station B. Donc, typiquement, j'ai un laptop qui m'a été autorisé pendant 4 ans. J'ai des licences attachées dessus. Mon fournisseur de hard me donne, met à disposition mon nouvel ordinateur portable et je veux récupérer son fingerprint pour pouvoir détacher la licence de mon PC originel. Je viens ici, je collecte un fichier donc ID que je vais stocker sous Download, donc on va mettre station B. Je sauvegarde et je collecte l'information correspondante. Jusqu'ici tout va bien. Je récupère cette empreinte, je vais sur ma station A. J'exécute mon applicatif. Encore une fois, l'applicatif ne fait bêtement que des appels aux API que je vous ai montré un peu plus tôt. Sur ma station A, il me détecte une licence admin mode qui concerne le produit MySoft et j'ai la capacité de lui importer mon fichier ID de ma machine de destination et de dire je vais générer mon fichier H2H pour host to host, directement, qui va me permettre de détacher localement, détacher la licence qui était localement liée à ma station A pour pouvoir la faire porter sur ma station B. Je génère le fichier transfert, il me demande de confirmer. Oui, ah, je ne peux pas, parce qu'à mon avis, je suis authentifié ici, oui. J'ai toujours un login sur une de mes features. Hop. J'essaie de générer le fichier de rehost, je confirme. Et il me confirme que le fichier H2H a bien été appliqué. Il ne me reste plus qu'à aller sur ma station B, venir ici. Je vois ici que sur ma station A, l'élimination de ma station A, les licences ont été détachées. Je viens sur ma station B. Soit j'utilise les fichiers, l'API à ce transfert, soit je viens chercher ici mon fichier de rehost. Je l'ouvre et j'applique la licence portée de la station A sur la station B. Et je vais retrouver ici mes licences autorisées. Voilà, j'espère que cette démonstration était relativement compréhensible pour vous. Je suis pas allé trop vite pour couvrir certains modules, mais c'était vraiment pour vous montrer les déclinaisons et les différentes étapes que l'on doit faire au sein de MS en amont pour ensuite faciliter et la génération de licences et le déploiement de cette licence et l'activation de cette licence sur vos PC utilisateurs. Sandrine, je pense qu'on peut conclure sur la présentation et passer aux questions-réponses. Quelques mots juste de conclusion très rapidement. Nous sommes riches d'une grande expérience dans le monde de la software monétisation et nous continuons à investir massivement dans notre portfolio produit afin de répondre et d'anticiper les besoins du marché. Et notre souhait, c'est de partager cette expérience dans une approche partenaire. Alors, n'hésitez pas à faire appel à nous pour toute question. N'hésitez pas à nous contacter directement et nous pouvons passer aux questions-réponses. Je démarre. Une première question. Quelles sont les composantes LDK à installer, Renaud? Pour toi. Je te laisse y répondre directement, non? Comment tu veux faire? Excusez-moi, j'étais en mute pour te laisser sans bruit. Concrètement, comme on l'a vu, sur l'aspect software vendor et fournisseur de hard intégrant du soft, nous avons les cinq composants. Donc le MS, le MS Database, les librairies LDK qui vont permettre de faire diverses actions, l'enveloppe qui permet de protéger au global l'applicatif. Et enfin, la toolbox qui va justement permettre de tester en amont
les différents appels intégrés au sein de votre applicatif. Par contre, côté client, nous avons le fameux runtime environment dont je vous parlais. Attendez, hop, on va faire ça. Allez, hop. Ce sera peut-être plus parlant si je vous partage directement l'information. Hop. Sur la partie utilisateur final, on va retrouver le fameux runtime environment qui va être lui en charge de la communication entre l'application protégée et la clé, qu'elle soit logicielle ou physique. Ce runtime environment, bien sûr, contient le License Manager, l'Admin Control Center que nous avons vu, mais aussi tous les drivers et les librairies customisées avec le vendor code unique du fournisseur, directement disponibles localement sur la machine pour pouvoir interroger le container sécurisé. Est-ce que tu as une autre question, Sandrine? Ouais, quels sont les langages et OS supportés? Alors, les langages iOS supportés. Nous supportons les applicatifs Windows, .NET, aussi bien exécutables que librairies, les applicatifs Java, aussi bien des JAR que des WAR. Nous pouvons aussi tourner sous les distributions Linux, divers et variés, Ubuntu, Red Hat, des macOS et des environnements Windows ainsi que Android. Okay. Tiens, une autre question à propos d'enveloppe. Est-ce que l'enveloppe peut être utilisée avec une clé logicielle, une clé SSL? Oui, tout à fait. Nous l'avons vu directement lors de la protection des applicatifs au sein d'enveloppe. Nous avons la possibilité de restreindre aussi bien sur des clés physiques que des clés logicielles en admin mode ou en user mode, selon les besoins et selon les OS. Et donc, si le module est disponible via enveloppe, nous pouvons forcément générer des licences qui vont pouvoir consommer des features qui seraient protégées via enveloppe. Et est-ce qu'on supporte l'encryption des fichiers de données avec enveloppe? Oui, il y a un module, alors je pense que je peux même vous le montrer, il y a un module au sein d'enveloppe qui permet d'encrypter des fichiers externes, qui s'appelle donc le DataAsp. Si je prends l'applicatif, hop, ici, nous pouvons donc autoriser l'encryption de fichiers externes et aller chercher directement un fichier que l'on aurait créé, ajouter un fichier, par exemple config.txt, qui contiendrait une information, par exemple une URL, et l'ajouter à notre applicatif, le sélectionner et l'encrypter. Si j'essaie de vérifier maintenant ce que ça donne une fois encrypté sur le bureau, Protected Demo Apps, si j'essaie de l'ouvrir, il n'est plus du tout lisible. Donc oui, nous supportons l'encryption de fichiers externes aux applicatifs. Alors maintenant, on a des questions qui sont liées plus à l'EMS. Est-ce que comment fait-on pour se connecter à des systèmes ERP ou CRM? Et également, est-ce qu'on peut réexpliquer juste brièvement un peu le process de mise à jour de licence? Pas de Est-ce que souci. ça peut être automatisé? Oui, tout à fait. Comme je vous le disais, l'EMS, tout ce qui est visible au sein de l'EMS, que ce soit les différents menus ici, les onglets, les champs, tous les liens accessibles via l'interface sont accessibles aussi via Web Service. Donc concrètement, pour intégrer un ERP, moyennant le développement d'un connecteur qui serait capable de faire la traduction de différents champs de l'ERP via les champs de l'EMS, tout s'intègre via des appels SOAP qui permettent d'échanger des informations, de créer des objets directement au sein de l'EMS. Et faire diverses actions, aussi bien de production, de mise à jour, de population de base client, tout est faisable.
Nous avons même aussi l'aspect reporting qui permet d'être intégré via des outils de billing externe pour alimenter justement ces systèmes en donnant de la visibilité sur ce qui est généré, ce qui est consommé en termes de logiciel. Avec bien sûr en plus le fait de pouvoir définir des reports customisés, puisque aussi bien notre EMS est livré avec sa base de données, mais on fournit aussi la structure de la base de données qui va permettre de générer un report qui ne serait pas qui ne couvrirait pas tous les besoins de nos clients en définissant directement la requête SQL qui va permettre de récupérer les informations voulues. Pour le cycle de vie des licences, ben, on va prendre l'exemple de la licence que j'ai générée ici. Donc j'ai ma product key qui finit en 0291. Si je fais un nouvel entitlement, je reprends mon utilisateur. Au lieu de sélectionner protection physique ou protection logicielle, je vais sélectionner mise à jour de ma clé. Je la localise. Hop. Je vais retrouver ma 0291 ici. Je l'ajoute aux licences à mettre à jour. Ici. Et là, à partir de là, je vais pouvoir ajouter un ou X produits pour la mise à jour de mon entitlement. Passer les différentes features à un autre mode, même. Time période de 10 jours. Hop. Produire cette licence sans aucun problème. Directement, vu que c'est une mise à jour, je peux soit fournir à mon client un nouveau fichier d'autorisation que lui va importer au sein de son application protégée via le menu correspondant qui va faire l'appel à SPUPDATE, soit produire un exe, le livrer à mon client, il n'aura qu'à double-cliquer pour faire la mise à jour automatiquement. On peut générer le V2C correspondant. Attends, pour moi, mon offre produit ne le permet pas. Update. J'ajoute mon produit là. Hop. Mettre tous en période de 10 jours. Et là, je pourrais directement générer un nouveau fichier d'autorisation à appliquer sur ma machine. Juste un petit commentaire supplémentaire. Je pense qu'il est important de noter en fait que tout modèle de licence peut être mis en place et mis à jour sans avoir à retoucher au code. Tout à fait. La définition de l'offre de produit étant relativement ouverte et exposant tous les licences modèles, la granularité peut se définir dès le moment de la génération ou lors des différentes mises à jour à appliquer. Alors, autre petite question, on revient sur l'enveloppe. Oui. L'impact potentiel sur les performances. Alors, bien sûr, via enveloppe, vu que c'est un outil de protection, selon ce qui est défini comme protection, typiquement sur mon applicatif .NET, d'un selon sa taille, et selon les options qui sont appliquées d'encryption et ou d'obfuscation, les performances peuvent être légèrement dégradées. On a le cas de certains clients qui nous ont demandé de protéger des gros applicatifs et sur lesquels les performances pouvaient être altérées. C'est pour ça que nous recommandons de vraiment cibler les parties sensibles des applicatifs à protéger et de n'appliquer selon le besoin, soit que de l'encryption ou selon une sensibilité moindre, plutôt de l'obfuscation qui rendrait plus complexe la lisibilité du code. Et là, question plus implémentation, quel est le degré de complexité d'intégration du LDK dans un source code? Combien de temps ça prend en moyenne? Alors après, on va dire si selon votre offre produit, sur un produit qui n'aurait pas des milliers de fonctionnalités, l'intégration se passe quelque part rapidement si la logique est bien définie en amont. Concrètement,
si on prend les étapes nécessaires, en premier lieu, il faudra récupérer le fingerprint de la machine, petit 1. Petit 2, récupérer le, générer l'entitlement correspondant, le produire, donc ça fait déjà trois étapes. Quatrième, fournir le fingerprint. Cinquième, activer la licence. Sixième, appliquer la licence sur le PC utilisateur. Donc ces six étapes, selon le nombre de features et la complexité apportée au produit à licencier, se fait relativement rapidement. On voit que les appels aux méthodes ne sont pas hyper nombreux non plus. Nous facilitons l'intégration en fournissant les exemples de code. Donc, on a l'exemple de certains clients qui arrivent à générer leur première licence au bout de quelques jours. L'intégration se fait assez rapidement sur LDK du fait du nombre d'API exposés, de la simplicité de compréhension de ce qui est possible en appliquant justement des scopes ou des templates spécifiques. L'intégration n'est pas coûteuse non plus, ce ne sont pas des méthodes très chronophages en nombre de lignes de code. Non, vraiment, en quelques jours pour un applicatif simple, on peut déjà arriver à générer des licences correspondantes. Après, il faut plus voir l'aspect intégration, process de livraison et d'échange avec son client pour arriver à optimiser au maximum les choses. Et puis, j'ajouterais que nous avons des équipes consulting et services qui peuvent vous accompagner pendant toute la durée de votre étude et de vos développements. Et si, même si vous êtes au tout début de vos réflexions, on peut organiser des sessions dites de discovery qui peuvent vous aider à vous poser les bonnes questions et vous guider dans l'implémentation. Tout à fait. Autre question, plus liée à la gestion des partenaires. Oui. Comment se gère le portail? Alors, en fait, concrètement, au sein de MS, actuellement, bon là je suis en version 7.6, mais sur la partie administration, vous allez pouvoir définir donc des rôles selon vos utilisateurs. Chacun aura, donc moi, comme vous avez pu le voir, je me suis connecté en tant qu'admin, donc j'ai accès à tous les onglets ici et les sous-onglets de chacun de ces menus. Selon les rôles, on a rajouté un rôle Channel Partner spécifique qui va vous permettre d'exposer donc une partie, donc votre MS, la partie de la web app qui va concerner votre Channel Partner, lui générer un compte qui va lui permettre à lui de s'authentifier. Et une fois authentifié, il pourra avoir accès uniquement aux licences que vous lui aurez octroyées. C'est une vision quelque part simplifiée de cette interface, mais avec seulement l'onglet du partenaire. Donc il va retrouver la partie entitlement et home, là où un chef produit aura plus la partie home et catalogue, et la partie opération aura plus entitlement. Le but de la définition des rôles est vraiment de définir ce à quoi ils pourront accéder comme menu. Selon les actions qu'ils pourront faire, ils pourront accéder à différents sous-menus et avoir la visibilité sur différentes informations. Ok. On revient sur une question d'implémentation. Comment est sécurisée et stockée une licence SL, une licence logicielle dans la machine? Alors, comme je vous l'ai exposé via le runtime, ici on vient définir un conteneur sécurisé sur le système. Ce conteneur sécurisé, encore une fois, n'est pas physique, ce n'est pas un JKS ou un P12 qu'on stockerait sur le file system. C'est vraiment splitté dans différents méandres du système que l'on va intégrer des informations et seule notre logique propriétaire Sentinel va permettre de récupérer ces morceaux, rebuilder le conteneur sécurisé et d'interroger via le RTE. Donc on a vraiment une couche logicielle de communication qui est le RTE avec les librairies d'appels qui ont déjà la protection du vendor ID unique qui permettent de parler à des licences que issues de ce vendor ID.
Et en plus de ça, le fait de ne pouvoir accéder physiquement à ce container qui détiendrait la logique des features autorisées. Et quand on n'est pas connecté à Internet, comment active-t-on une licence logicielle? Alors, pardon. Concrètement, on a vu que quand j'ai produit mon entitlement, on avait différentes méthodes. Pour les environnements non connectés, donc qui ne peuvent pas accéder directement via Internet, donc depuis votre applicatif, faire des appels web service à l'EMS qui permettrait de récupérer la licence correspondante, on est obligé de passer par des étapes dites offline, qui est mon client final me fournit son empreinte et moi en tant que fournisseur, je lui génère la licence correspondante. On l'a vu, soit cela se fait directement via EMS en tant que fournisseur de logiciel. Je demande à activer mon entitlement et j'importe le fingerprint correspondant, le C2V correspondant. Soit le client n'a pas accès directement depuis le serveur ou ton application protégée, mais il peut se connecter depuis un serveur bureautique ou un PC bureautique au customer portal et de lui-même fournir en argument le C2V. Récupérer le V2C localement, le mettre sur une clé USB ou tout autre support, et ensuite se déplacer sur le serveur qui serait complètement coupé du réseau et appliquer la licence correspondante. On laisse relativement ouvert selon le niveau technique des utilisateurs finaux et l'autonomie surtout technique qu'ils sont capables d'adresser en offrant plusieurs moyens de récupérer la licence liée à l'empreinte unique de la machine ou d'un serveur de licence. Alors là, autre petite question qui concerne la virtualisation. Donc, comment gère-t-on les activations sur des machines virtuelles? Et dans le cas, il y a un exemple où je supporte à la fois les machines virtuelles traditionnelles et des virtuelles machines dans des environnements cluster. Alors, typiquement, l'environnement virtualisé, tel que je vous l'ai décrit, on a depuis la version 7.5 un moyen de se protéger contre le clone de CVM en liant à l'empreinte de la machine qui va héberger la licence un identifiant unique associé à cette VM, ce qui s'appelle le Generation ID ou UUID. Cet identifiant est intégré à l'empreinte lorsqu'on la demande sur la machine hôte. Ce qui fait que même si un utilisateur final qui appliquerait une licence qui serait valide pour 30 jours, si à partir du moment où il applique la licence, il effectue un snapshot, une sauvegarde de sa VM, arrivé au 29e jour, s'il essaie de restaurer son backup, ce Generation ID va changer, être détecté par la licence, et donc elle sera considérée comme clonée et préviendra l'accès à l'applicatif protégé. Donc là, c'est vraiment pour l'aspect protection anti-cloning des VM. Par contre, pour adresser le fait de pouvoir bouger une VM d'un cluster à un autre, tout en maintenant la validité de la licence, nous avons ici dans notre offre produit la fonctionnalité de définir pour DSL un type de clone protection, donc virtual machine, FQDN. Ça veut dire que l'on va attacher la licence au nom réseau de la machine virtuelle. Ce qui fait que ce n'est plus une caractéristique exposée par le système virtuel ou l'hôte physique, mais à son nom réseau. Ce qui fait qu'elle soit portée par un cluster, on va dire, sur un serveur 1 d'un cluster 2 nœuds, ou sur le serveur 2. À partir du moment où le nom réseau correspond, la validité de la licence est maintenue. Et justement, on gère aussi la partie live migration d'une VM d'un cluster à un autre. Est-ce que c'était vraiment ça le sens de la question? On essaie de couvrir vraiment toutes les demandes marché liées aux environnements virtuels. C'est sûr que si une machine virtuelle change d'un membre d'un cluster à un autre et que son adresse MAC associée change, ou différents settings de CPU changent,
Selon le template de protection que vous aurez appliqué, la licence sera considérée comme clonée et donc l'applicatif ne s'exécutera plus. Alors maintenant, petite problématique d'un utilisateur de notre produit. L'onglet Entitlement sur MS charge continuellement sur Chrome ou Firefox. Comment résoudre ce problème, sachant que cette personne est sur Windows 8.1? Alors, typiquement depuis la version 7.4, en effet, EMS avait du mal à gérer les plugins Java pour les afficher correctement. Et donc, il est resté à boucler sans cesse sur le menu d'accès. Et auquel cas, il valait plus privilégier Chrome et Firefox pour pouvoir faciliter la visibilité et l'ouverture des différents menus d'activation ou de mise à jour de licence. Là, typiquement, depuis les versions 7.5, 7.6, la gestion, on a pu le voir lors de la création des entitlements ou la gravure de ma clé, se font relativement de manière transparente et assez rapide. Si par contre cette personne a un cas où cela s'applique encore selon une config système ou une version de browser spécifique, je l'invite à m'envoyer un mail directement pour qu'on puisse élucider ça ensemble. D'ailleurs, ça peut être aussi que je vous partageais directement les liens de contact que vous pouvez privilégier selon vos besoins. Justement, si suite à ce meeting vous avez d'autres questions ou même si vous souhaitez un support spécifique pour un cas d'utilisation qui serait problématique, n'hésitez pas à nous contacter. Est-ce qu'on a Une dernière d'autres peut-être question. questions? Là, j'en ai une sur les virtual machines également. Ça revient à je dois supporter une migration des virtual machines. Oui. Est-ce que c'est supporté? Une migration en quel sens en fait? Est-ce que c'est migration d'un serveur hébergeant plusieurs VM vers un autre ou plus d'un entre deux membres d'un cluster? Il y a écrit une migration live, en fait, de virtual machine. Alors, encore une fois, ça peut être plusieurs cas d'utilisation. En effet, comme je vous l'ai indiqué, la migration d'un membre d'un cluster vers un autre est supportée. Là où la migration d'une VM à une autre, si les caractéristiques techniques qui ont été récupérées lors de l'empreinte changent, alors non. Il faudra plus considérer un cas où je vais détacher, donc le fameux Rios dont je vous parlais, détacher la licence de la VM1 pour l'appliquer sur la VM2. En cas de live migration où vous devez maintenir la validité d'une licence, sans doute il faudra privilégier le fait de générer une nouvelle licence pour la nouvelle machine cible avant de basculer votre flux de service sur cette nouvelle cible. Merci Renaud. Je vous en prie. Je pense qu'on va s'arrêter là. On a couvert toutes les questions qui avaient été posées. Merci beaucoup à tous. Merci. Et n'hésitez surtout pas à nous contacter directement pour toute autre question. Bonne journée à tous. Merci. Au Au revoir. revoir.